reportage a été créé en 1966 par un groupe de citoyens de la ville de Montréal, préoccupés par la progression de la toxicomanie dans leur ville. Donc on a été là dès le départ, en fin de compte, à supporter le portage. Et je suis encore là après 40 ans, à être fier du succès que portage a dans la société. Au niveau de l'approche de la communauté thérapeutique, bien sûr, c'est l'entraide entre les pairs. On a en tête que si quelqu'un est en mesure de s'en sortir, c'est parce que le groupe est derrière lui, à le soutenir, à l'écouter, à l'encadrer. Alors, on va inciter les gens à se parler et à évoluer ensemble. Portage estime que chaque individu a le potentiel de se reprendre en main, donc favorise une dynamique de groupe et une approche de groupe qui va faire en sorte que le jeune va construire des gains dans son développement ici. Le jeune va expérimenter, le jeune va grandir, le jeune va se développer, le jeune va apprendre à gérer des situations, donc le jeune se développe à titre de modèle dans la communauté. C'est un programme qui a été évalué continuellement et s'est bonifié continuellement pour s'adapter à cette clientèle-là. Mon personnel joue un rôle très actif dans les services de portage, c'est-à-dire qu'ils sont très près de la clientèle, ils les encadrent, ils s'assurent qu'ils aient des objectifs qui sont réalistes et réalisables. Mon personnel aussi n'hésite pas à remettre en question leurs propres pratiques de façon à s'adapter et à s'ajuster à la réalité des personnes qui cheminent avec nous. J'ai un personnel également qui est dynamique, qui est présent pour la clientèle. C'est en partie des personnes qui ont vécu la problématique et qui n'hésitent pas à afficher les problèmes qu'ils ont vécu dans le passé de façon à agir à titre de modèle. Les témoignages que nous font les jeunes, je l'ai dit, sont à la fois source d'inspiration et nourrissent nos convictions à l'égard de la capacité de portage de leur redonner espoir, de les ramener à la vie, de leur permettre de redécouvrir leur talent. C'est un organisme extrêmement bien structuré, bien géré, qui a une rigueur dans sa gestion budgétaire et dans la livraison de ses services. Elle mesure les résultats de son action auprès des gens. Et cette rigueur-là de gouvernance du conseil d'administration donne le sérieux à Portage qui est en partie garant de son succès. Les gens sont prêts à contribuer à donner un organisme qui est bien géré. Moi, je suis convaincu que Portage est très bien géré. C'est qu'on amène une charge à la société des gens qui ne produisaient pas, qui étaient fardeaux à la société, en les ramenant à la vie, dans laquelle maintenant ils vont jouer un rôle pleinement de citoyens. Ils vont gagner un salaire, une rémunération, ils vont acheter des actifs, ils auront une famille, puis ils vont vivre pleinement dans notre système démocratique. Il est tellement évident que le besoin est là. Le besoin ne diminue pas, malheureusement. Donc, il est en croissance. Nos services sont toujours en demande. C'est des services de qualité. Et il faut donc que nous soyons persistants et que nous accompagnions tous ces intervenants et intervenantes et sachions leur marquer notre reconnaissance parce qu'ils apportent une contribution sociale considérable.